Glaneurs et glaneuses, soyez bénis ce matin. Glaneurs et glaneuses, que la grâce de Dieu soit avec vous. Glaneurs et glaneuses, nous parlerons des visions aujourd'hui. Comment travailler à l'accomplissement d'une vision? L'accomplissement d'une vision n'est pas chose facile. Très souvent, on se demande, mais où est Dieu qui dit que mon peuple périt par manque de vision? Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais comment réussir quand on voit que très souvent une vision rencontre beaucoup d'obstacles, contrairement à une ambition. Quand on a une ambition, cette ambition-là devient un projet. Et le projet s'accomplit facilement parce que ce qui compte dans le projet, c'est le résultat. Peu importe comment la chose va œuvrer jusqu'à s'accomplir, peu importe les conditions, peu importe les circonstances qui vont travailler à l'accomplissement du projet. L'ambition est donc facilement réalisable. Et très souvent, il arrive que des gens de Dieu, des chrétiens authentiques qui ont une vision à côté de quelqu'un d'autre qui a une ambition, finissent par se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils réussissent alors que nous, on a du mal à réussir? Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent et nous ne pouvons prospérer? La raison est simple. Pour ce qui est d'une ambition, qui devient donc un projet, c'est la fin qui justifie les moyens. Tous les compromis sont possibles. Tous les compromis sont acceptables. Tous les compromis sont les bienvenus. Mais quand il s'agit d'une vision, la vision est un mandat divin. Et le maître de la vision, c'est Dieu. Parce que si la vision est de lui, cette vision étant authentique, elle devient donc un mandat divin. Et vu que c'est un mandat divin, la fin ne justifie pas les moyens. La fin n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas l'achèvement qui compte, mais c'est comment on a procédé pour y arriver qui a de la valeur. Ce qui fait que deux ministères peuvent naître le même jour. Si un des leaders à commencer le ministère sur la base d'une ambition, vous verrez que ce ministère-là va vite prospérer, ce ministère-là va vite progresser, parce que c'est un projet. Et comme c'est un projet, ce qui importe, ce n'est pas la lumière qui prévaut, ce n'est pas la voie étroite ou le chemin étroit qui compte, mais c'est comment faire pour bâtir ma tour afin de me faire un nom, comme ce fut le cas au temps de la Genèse. Ils se sont dit, mais bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Une tour qui touche le ciel et faisons-nous un nom. Vous voyez que le Seigneur Dieu lui-même a dit que personne ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif vu qu'ils parlent le même langage. Leur objectif sera forcément atteint. Il a fallu que l'Éternel descende, confonde leur langage pour qu'ils ne puissent plus parler de la même lèvre. Selon la version originale, on parle de la même lèvre. On dit qu'ils avaient tous, ils parlaient tous de la même lèvre. C'est-à-dire qu'au-delà de la langue, ils parlaient le même langage, ils avaient la même façon de voir, ils avaient le même entendement, la même compréhension, la même volonté. Donc vous voyez que deux personnes qui s'engagent
pour une œuvre, si la première personne part sur la base d'ambition, elle va utiliser tout ce qu'il y a comme moyen, comme compromis pour atteindre l'objectif. Alors que celui qui part sur la base d'une vision veut savoir, Dieu est-il d'accord? Dieu approuve-t-il ce que je fais? Dieu est-il en accord avec moi? Ce qui importe, ce n'est pas la fin qui va justifier les moyens, mais c'est les moyens pour y arriver qui vont donner gloire à Dieu. Parce que si la gloire revient à Dieu, il ne s'agit pas de se faire un nom, mais il s'agit de donner à Dieu toute la gloire. Quand toute l'œuvre sera achevée, on dit gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. On ne ramène pas tout à soi-même. C'est pourquoi, très chers glaneurs, très chères glaneuses, vous qui avez une pensée forte pour le salut des âmes, vous qui voulez voir le règne de Christ venu sur terre, vous qui voulez voir la gloire de Dieu se manifester de façon tangible, visible, sachez que la tâche ne sera pas toujours facile. L'apôtre Paul a dit que celui qui veut vivre pieusement sera forcément persécuté. C'est-à-dire qu'il y aura des obstacles sur son chemin. Mais avant d'aller en profondeur, essayons de comprendre qu'est-ce qu'une vision. Est-ce que c'est quand forcément un prophète vient te dire « Voilà ce que déclare l'Éternel, voilà ce que dit l'Éternel. » Non, une vision n'est pas forcément cela. Tu peux te poser la question, mais moi, je n'ai pas eu de vision. Je n'ai pas de vision. Je n'ai rien reçu comme vision. Je ne vois pas un mandat divin dans ma vie. Et je te dis, attention, est-ce que tu écoutes vraiment la voix de Dieu? La Bible nous dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu peut t'avoir parlé plusieurs fois, de plusieurs manières, mais tu n'as pas fait attention. Considérons d'abord la vie du roi David. Le jeune David, qui a envoyé par son père donner de la nourriture à ses frères qui étaient en guerre. Il lui dit, va et prends de leurs nouvelles et reviens me dire s'ils vont bien. Le jeune David qui partait et son père qui avait demandé qu'il parte ne savait pas que c'était là un mandat divin que ce jeune homme partait accomplir. Or, l'enfant était en train de rentrer dans le plan de Dieu, dans les voies de Dieu. Il était en train d'accomplir un mandat divin. Le fardeau donc que le père a eu en envoyant donc son fils était déjà une main de Dieu, la droite triomphante de Dieu qui était là dans son cœur comme un fardeau. Et l'enfant qui partait, le petit David qui partait, ne savait pas que la vie qu'il allait mener après ce jour allait être une vie tout à fait différente. Le petit berger n'allait plus être seulement un petit berger, mais il allait être le prince de Dieu, celui-là même qui allait être également le beau-fils de Saül après avoir remporté la victoire sur Goliath. Quand il arrivait, Goliath continuait de se vanter, de prouver qu'il est un grand guerrier. Et le petit David qui arrivait a vu tout de suite qu'il avait une mission. Son cœur est devenu gros. Un poids était dans son cœur. C'était là un mandat. Il fallait accomplir cette mission. Ce mandat divin était là. Il fallait que ce géant-là soit terrassé. Comme le lion a été terrassé. Comme l'ours a été terrassé. Il faut que ce géant-là soit terrassé pour que le peuple de Dieu soit libre. Comme mes brebis sont devenues libres quand l'ours les menaçait. Pour que ce peuple de Dieu soit libre. Comme mes brebis sont libres quand le lion les menaçait. Il a fallu donc qu'ils se souviennent que Dieu l'avait utilisé comme une arme puissante pour libérer ses propres brebis, sinon les brebis de son père. Aujourd'hui, c'était les brebis du Dieu vivant, le peuple d'Israël qui devait être libéré. Mais devant ce géant-là, il fallait toute la grâce de Dieu, il fallait l'intervention divine, il fallait que l'Éternel des armées entre en jeu. Et ce fut le cas.
David a remporté la victoire. Sa vie a changé pour de bon. Il n'était plus le même petit berger, mais il a reçu aux yeux de tous une destinée claire, une destinée nouvelle pour que toute la gloire soit à Dieu. Ça, ce n'est pas un projet. Ça, c'est une vision que le papa a eue en envoyant son fils parce qu'il a eu un poids dans son cœur. Et l'enfant arrivé est rentré dans la vision pleinement. Et Dieu a pourvu parce que celui qui donne la vision est le pourvoyeur de la vision. C'est pourquoi la vision apporte la provision, sinon suscite la provision. Celui qui donne la vision est pourvoyeur de l'exécution de la vision. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est un cas très important. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que, suite à une lumière éblouissante, on te dise fais ceci, fais cela, pour que tu saches que tu as reçu une vision. Non. Le deuxième cas, qui sera l'objet de notre étude essentiellement, c'est le cas de Néhémie. Quand nous lisons donc Néhémie chapitre 1, Néhémie chapitre 1, le verset 4, qu'est-ce que le verset 4 dit? J'entendis, sinon lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Un de ses frères, Anani, ou un de ses parents, Anani, qui vient de Jérusalem, lui dit, ah, voilà ce qui se passe à Jérusalem. Or, déjà, nous savons que sous le règne de Cyrus, de 538 à 530 avant Jésus-Christ, Esdras va partir en Israël pour tenter de rebâtir le temple. Gloire à Dieu, il réussira à rebâtir le temple sous le règne de Cyrus. Parce que c'est que la prophétie qui avait été proclamée s'est accompli à la lettre. Lisons pour qu'on comprenne ensemble. Esdras chapitre 1, on va voir ça ensemble. Esdras chapitre 1, voyons ensemble rapidement. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouille de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire des vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus. Roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Ça, ce fut sous le règne de Cyrus, de 538 à 530. Ordre donc est donné de partir parce que la prophétie de Jérémie disait que 70 ans après, l'exil allait s'arrêter. Mais tous les Juifs ne sont pas rentrés. La capitale donc qui était tout au départ Babylone, qui était tombée sous le pouvoir des Mèdes avec Darius, enfin sous le pouvoir des Perses avec Cyrus, est maintenant déportée quelque part d'autre qui s'appelle Sousse. Et dans cette ville de Sousse, on parlera plus tard de la reine Esther. On parlera du roi Artaxerxès, on parlera d'Assyrus, et c'est donc sous le règne donc d'Assyrus que Néhémie va donc crier à l'Éternel. C'est-à-dire que lui-même né hors de Jérusalem, lui-même né hors d'Israël, il était donc un de la diaspora, mais il ne connaissait même pas Israël, parce qu'il est né comme descendant des exilés, il est un descendant des exilés, mais son cœur est resté attaché à sa patrie. Je me rappelle que quand j'étais encore adolescent ou enfant, dans un pays voisin où je suis né, je ne sais pas combien de fois
Pour moi, qui aime même beaucoup la bagarre, je ne sais pas combien de fois j'ai dû faire la bagarre ou combien de fois on nous a séparés avec un autochtone de ce pays-là ou un petit autochtone de ce pays-là parce qu'on se moquait quelquefois de mon pays en disant « Oh, haute volta ou voltaïque » ou bien des attitudes qui étaient des attitudes dégradantes. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû me battre, j'ai dû frapper parce qu'on essayait de manquer de respect à ma patrie, à ma nation, alors que je ne connaissais même pas cette nation-là encore. Je ne connaissais pas ce pays-là. Et je me rappelle que quand, pour la première fois en 1994, j'ai mis pied dans ce pays, quand nous avons franchi la frontière, et d'un autre, un aîné bien sûr, qui, quand il arrivait, on était tous à l'université d'Abidjan ensemble, quand il arrivait, il a baisé le sol, il a dit, mais enfin, je suis chez moi, enfin, je suis dans mon pays, enfin, je suis dans ma patrie. C'était une grande joie. Il était heureux de se retrouver dans sa nation, dans sa patrie. Donc, nous pouvons mieux comprendre. Nous qui sommes Burkinabés de la diaspora, nous pouvons comprendre les humiliations, les injures qu'on a pu connaître de l'autre côté et comment est-ce qu'on est attaché à notre patrie malgré tout. Quoique n'ayant pas connu la patrie au départ de nos parents, nous sommes restés connectés à notre chère patrie, le Burkina Faso, ex-Haute Volta. Et notre cœur bouillonnait de joie quand nous avons appris que nous devrions rentrer un jour au pays. C'était une joie. Et alors, je peux donc comprendre mon frère Néhémie, ou encore l'homme de Dieu Néhémie, qui ayant appris, quoique né en tant qu'exilé ou descendant des exilés, ayant entendu la misère dans laquelle était Jérusalem, n'a pas pu supporter. On dit qu'il y a eu une douleur dans son cœur. Et nous allons poursuivre la lecture dans Néhémie chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Néhémie chapitre 2, verset 1 à verset 5. Tout ça, glaneurs et glaneuses, pour vous amener à comprendre que il n'est pas nécessaire qu'on vous mette la main sur la tête, qu'on vous bouscule le cou en criant, en priant, pour que vous ayez des torticolis, pour d'abord comprendre que c'est Dieu qui vous parle. Dieu vous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est à vous de prendre conscience. Parce que, comme l'a dit Job, on n'y prend pas garde. Il faut y prendre garde. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ce chapitre 2, verset 1 à 5, nous dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Amen. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Verset 3. Et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Vous voyez, c'est la ville de ses pères et de ses grands-parents. Lui-même ne connaissait pas les lieux et n'était pas de ce milieu-là. Il est né en exil. Amen. Ont été dévorés par le feu. Verset 4, le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? Je priais le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. Voilà une vision, c'est un fardeau. La vision donc part d'abord d'un poids, un fardeau que Dieu te donne, un fardeau qu'il met dans ton cœur. Et ce fardeau-là est tel que tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus dormir, tu n'as même plus l'appétit. Il n'y a que ça et ça dans ton esprit. Il n'y a que ça qui contrôle ton âme. Il n'y a que ça qui contrôle ton esprit. Quand tu dors, c'est ça. Mais il n'y a pas de situation pareille sans obstacle. Parce que ce n'est pas une ambition, mais plutôt une vision. Une ambition permet à Satan d'être collaborateur. Mais pour une vision, Satan ne peut être collaborateur. Satan ne peut t'accompagner. S'il avance avec toi, c'est le compromis. Et Dieu ne sera pas dans ce compromis-là. Alors, à partir du moment où c'est une vision, que ça devient un mandat divin, il est sûr et certain que le poids que tu as ne peut être géré que par Dieu.
Et pour qu'il soit géré par Dieu, ce point-là, il faut que tu rentres dans les desseins de Dieu, dans les plans de Dieu. Mais le diable ne va pas te laisser en paix. Or, si c'était simplement une ambition, le diable ne te dérangerait pas parce que vous êtes ensemble. Un homme de Dieu a dit que si tu marches ou bien tu es dans une activité, tu avances et qu'il n'y a pas d'obstacle, arrête-toi un peu. Parce que ça veut dire que le diable et toi, vous avancez dans la même direction. Vous êtes des compagnons de route. Sinon, il devrait avoir problème. Il devrait avoir quelques obstacles. Et quand il y a quelques obstacles, tu dis, ah oui, je comprends. Il est dans le sens contraire. Mais si tu avances qu'il n'y a aucun problème, ça veut dire que vous avancez ensemble. Vous êtes en train d'avancer ensemble comme collaborateur, comme compagnon. Tout de suite, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça avance. Et le projet, ça réussit, ça réussit, ça réussit. Attention, arrête-toi un peu. Les obstacles ne montrent pas que Dieu n'est pas là. Il a d'ailleurs dit dans Ésaïe 43. Il dit, si tu passes par les eaux, tu ne seras pas englouti. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. L'Éternel Dieu sera là pour te secourir, pour te défendre, pour t'aider. Ça veut dire que quand il s'agit d'une vision, il y aura toujours les eaux devant toi que tu devras franchir, comme Moïse, comme Josué. Si tu avances dans la vision, il y aura toujours le feu devant toi que tu devras contrôler par l'autorité de la parole de Dieu. En rappelant à Dieu, tu as dit et tu avances avec nous. Alléluia. Gloire donc soit rendue à Dieu. La vision donc a des obstacles, a des adversaires. C'est pourquoi on voit que Néhémie, ayant pris conscience de cette vision, il a pris le temps de prier. Et quand il a prié, le roi a donné feu vert à Néhémie d'aller rebâtir. Le temple était déjà à Jérusalem, mais la ville était sans succès. La ville était dans la honte. Le temple est là, là où le roi des rois doit siéger, et sans muraille. Quel poids, quel fardeau. Il décide d'avancer, il décide d'aller, il décide d'aller travailler. Mais les adversaires vont surgir. Des ennemis vont surgir de toutes parts. Des ennemis vont venir. Parce qu'il s'agit d'une vision. Il s'agit de donner gloire à Dieu. Et le diable combattra avec la dernière énergie tout ce qui donne gloire à Dieu. Mais tout ce qui donne gloire à l'homme, c'est lui, Satan, qui reçoit la gloire. Il sera là pour faire avancer les choses. Il sera là pour t'accompagner. Vous me direz, mais pourquoi Dieu ne ferait pas avancer les choses? Oui, Dieu est Seigneur. Il est le roi des rois. Il a le dernier mot. Il est le maître suprême. Il sait qu'en te choisissant, il veut compter sur toi, glaneur. Il veut compter sur toi, glaneuse. Mais on ne peut pas porter le grade de général sans avoir fait la formation de général. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être kidnappé au ciel, comme le disait quelqu'un. Personne ne se retrouvera au ciel parce qu'il était kidnappé par Jésus ou parce qu'il était kidnappé par le Saint-Esprit. Non, personne. Tous ceux qui iront au ciel, tous ceux qui seront témoins de la gloire céleste, tous ceux qui auront des couronnes sous forme de grades, je dirais, c'est des gens qui auront lutté pour leur foi, qui auront combattu le bon combat comme l'apôtre Paul. C'est ceux-là qui pourront bénéficier des largesses célestes, de la gloire céleste, de la bonté céleste, de la bienveillance du grand Dieu. Voilà. Donc, Dieu a le dernier mot. Mais le diable tentera de te bloquer. Sinon, on dirait, mais où était Dieu quand Jésus mourait à la croix? Où était Dieu quand Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabachthani? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où était-il? Il était là, mais il a laissé faire. Parce que c'était là la voie. C'était là la solution pour que Jésus porte le nom au-dessus de tout nom. Pour qu'en son nom, toi et moi, glaneurs et glaneuses, nous puissions défier le camp de Satan. Toi et moi, nous puissions renverser les forteresses sataniques. Toi et moi, nous puissions chasser les démons et les esprits méchants. Toi et moi, nous puissions gagner des âmes pour le royaume de Dieu et anéantir la puissance des ténèbres. Il fallait que Jésus passe par là. Et quand on lit dans donc Apocalypse chapitre 6, on découvre clairement que c'est l'agneau qui a été immolé, qui avait pouvoir et autorité de regarder au livre qui était scellé, de le prendre, de l'ouvrir, d'en rompre les sceaux, afin que l'humanité ait connaissance
du chemin du salut et connaissance de la victoire de la lumière sur les ténèbres et connaissance de la grâce divine pour l'humanité. Il fallait passer par là. C'est pourquoi, glaneur et glaneuse, ne t'alarme point. Tu as reçu une vision de Dieu. Tu as un fardeau dans ton cœur pour le salut des âmes. C'est peut-être difficile. Les moyens financiers, tu ne les as pas aujourd'hui. Les moyens matériels, tu ne les as pas aujourd'hui. Tu n'as pas ce qu'il te faut, mais commence par la foi. Avance comme Néhémie. Néhémie est parti sans rien. Il est parti sans rien, sans grand-chose. Mais il a compté sur Dieu et Dieu est intervenu. Nous allons poursuivre la semaine prochaine notre étude sur comment accomplir la vision. L'accomplissement d'une vision répond à des normes. Ça n'a rien à voir avec l'accomplissement d'une ambition qui peut s'appuyer sur du n'importe quoi pour avancer. Non, une vision donne gloire à Dieu en alpha et en oméga, au début et à la fin. Que la gloire soit à Dieu. Je prie pour toi, glaneur et glaneuse. Seigneur, soutiens les glaneurs. Soutiens les glaneuses face à la difficulté des temps derniers qu'ils restent eux-mêmes. Qu'ils ne se corrompent pas. Qu'ils n'aient pas l'apparence de la piété alors qu'eux-mêmes réunissent ce qui en fait la force de l'évangile là. C'est-à-dire la croix. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Bye.